Welcome to the CDF testing facility. I'm the CEO around here, CDF Demand. Bonjour, c'est quoi cette Today, we will be testing our newest service, the luxurious, the amazing CDF Air Airliner. Yeah, that name needs to be worked on. Anyway, what we want you to do is to sit back and relax and enjoy the ride on in our simulation chambers. Don't worry, there's not much that'll happen to you. It's just a simulation. What could possibly go wrong? Simulation? Mais dans quoi je me suis embarqué? And with that being said, let the simulation begin. Oh, simulation de vol par CDF? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis encore un cobaye bizarre de leur expérience, hein. On avait pu voir ça, ils font des expériences très bizarres dans mes autres vidéos. On avait pu notamment d'ailleurs déjouer leur chef, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ils avaient tous des noms très bizarres. Et me voilà embarqué maintenant dans un nouveau cobaye qui visiblement doit tester leur service aérien, mais je le sens mal cette histoire. Je le sens très très mal. Bon, en tout cas c'est un bel avion, j'ai l'impression qu'il fait beau dehors, le temps est favorable, ça se passe plutôt bien. Ah, CDF Man. On a la tête de CDF Man. On va la mettre. Magnifique. J'adore cette tête. C'est pas la première fois qu'on la voit. Bon, on va fouiller un petit peu l'avion. Il faudrait peut-être qu'on trouve un endroit pour s'en tirer, pour s'en sortir. C'est quoi ça? Now, unless you're skydiving, opening the door mid-flight is a pretty bad idea. This time, let's try to remain in the aircraft. Okay. D'accord. Il m'a dit ouvrir les portes en plein vol est vraiment une très mauvaise idée. Par contre, ton avion, il est un peu cassé, là, maintenant. Bon, écoutez, on va faire comme si on n'avait rien vu. Quoi? C'est quoi tout ça? Des côtelettes et du charbon. Bon, bah, on va se faire cuire un petit repas, hein, en attendant d'arriver. Hop. Ah bah, dis donc, c'est devenu bien silencieux, ton avion. Ah, c'est bon. Tout d'un coup, les moteurs se sont arrêtés. C'est un peu... Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Je ne sais pas. You cook just as bad What? As I do. But I do have to admit, I've never set a plane on fire. This is just a simulation. That piece of pork chop can wait. Oh là là, j'ai mis le feu à l'avion. Mais what the fuck? Ok. Bon. La porte est toujours ouverte, mais il n'y a plus le feu. Je crois que tout ce que je fais va provoquer le crash de l'avion. Il est bidon, votre avion, c'est pas possible. C'est l'avion le plus bidon de tous les temps. Si on fait cuire des côtelettes dedans et qu'il prend feu tout d'un coup, c'est pas tip top. Ah, on n'a pas ouvert cette porte là. Now unless you're skydiving, opening the door mid-flight is a pretty bad idea. Ah, je suis un mauvais cobaye de test. C'est bon, je reste dans ton avion, je reste dans ton avion, pas de soucis. Bon, du coup, hein, vu qu'on doit rester dans l'avion, on va fouiller tout ça. Cette carte est vraiment très bizarre, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Tester un avion dans une carte Minecraft, si je m'attendais à ça, c'est quand même... Now we are going to simulate some natural turbulence. Des turbulences? Et où est-ce que je m'assois, moi? On va se mettre là. Allez, c'est parti. J'attends les turbes. Oh, oh. Okay, that's a little bit more than we expected, but it'll do. Ah, vous avez vu ça, tous les sièges ont bougé. Here, put these on so people don't see your terrified face again. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné un truc pour pas que les gens voient que je suis terrifié. Mais je sais pas ce qu'il m'a donné en fait. J'ai entendu plein de petits bruits. Il y a un truc qui est sûrement apparu quelque part. Ah, c'est ça. D'accord. Juste que c'est pas tombé. D'accord, ça marche. Voilà, comme ça, plus personne ne verra que je suis terrifié face à tout ce qui se produit dans cet avion. C'est une espèce de masque respiratoire, je pense. On n'est pas allé voir les pilotes, au fait. Bonjour. Ne pas rentrer. You really shouldn't be in here, but because it's a simulation, have a look around. Just don't touch anything. D'accord, j'ai pas le droit d'être là normalement, mais comme c'est une simulation, bon, il me laisse l'autorisation d'y aller, mais c'est trop cool. C'est quoi ça? Ça c'est pour se tenir. Regardez-moi la belle vue qu'on a. C'est cool, hein. On peut pas casser les vitres, heureusement, sinon j'aurais pu faire une bêtise. Ça sert à quoi ça? And you touch something. Now the plane is hurtling towards the ground, and you explode in a fiery death. But we'll spare the dramatics and reset the simulation. Oh, bon bah si j'avais fait ça, visiblement on se serait mort. Oui, c'est tout à fait logique. On serait mort écrasé. Bah, c'est qu'un levier, hein. Pourquoi on serait mort écrasé en touchant un levier? Franchement. Ça va, hein. Je sais piloter un avion quand même. Bon, et là-dedans, il y a rien. Non. Franchement, on s'ennuie un peu dans cette simulation là. Est-ce que je peux y retourner ici? Ah, du coup, il s'énerve plus. Et ça, c'est quoi ça?
Il me faudrait un parachute. En fait, il faudrait que je trouve un parachute pour quitter cette simulation sans mourir. Où est-ce que je peux trouver ça? Vous pensez qu'il cache des parachutes quelque part? On n'a pas fouillé tous les coffres de droite là. Ah, déjà, je suis pas sûr d'avoir fouillé tous ces coffres là. Non. Pas de parachute. J'espère qu'il va pas me remettre une turbulence dans la figure. Oh, vous avez vu ça? En vrai, il est stylé l'avion. Franchement, c'est un bel avion, assez grand. Allez, un petit parachute. And we're done. Congratulations, you passed the test. On est you sat through the simulation without dying. Wow, that's impressive. I mean, there are like 5 ways to die in this simulation, and you didn't find any of them. Congratulations. Il y a 5 façons de mourir différentes. You walked up and down the airplane without, you know, punching out a window, cooking something, flushing it down the toilet. Oh, wait, I've said too much. Anyway, you know, to actually experience this map, I would start doing stuff instead of just walking around like, oh, what do I do? Donc là, oh, il nous conseille de nous dire, vous avez rien fait, vous êtes fait chier, vous avez pu faire quelque chose. En vrai, on a fait. Unless you do talk like that, and which... Et là, il se moque de notre façon de parler. And you know what they say about impressions, you know? It's a alors que j'ai voulu l'aider à faire sa simulation. Anyway, I hope you guys have enjoyed your time here at the CDF testing facility. And I hope that you've enjoyed your ride on CDF Air. Wait, mais oui, you j'ai adoré, mean we don't have génial. The money to do CDF Air? Oh man. Yeah, unfortunately budget, we visiblement. Can't do this anymore. Shame. For shame. Until next time, guys. This is CDF Demand. CDF is out. Ok. Donc, pour faire un petit résumé de tout ce qu'il nous a dit, on avait aussi la façon de mourir visiblement en cassant les vitres, sauf que visiblement, j'ai pas réussi. Peut-être que j'ai pas tapé assez fort sur les vitres. Il nous a dit qu'on pouvait mourir en faisant cuisiner des choses et tout ça. Et donc là, son petit dialogue, c'était parce qu'on avait réussi le test, entre guillemets, on avait survécu en se faisant chier, en ne faisant rien, parce que si on touche à quelque chose dans cette carte, on meurt. On meurt, c'est l'avion le plus bidon. Quoi qu'on fasse, on meurt, on peut même pas toucher. Alors levier de conduite, de comment est-ce qu'on conduit un avion avec ce levier-là? Ah, désolé. Non, je voulais pas toucher. Allez, on se laisse ici, ciao tout le monde. C'était la carte la plus rapide et la plus bizarre de tous les temps. Ciao, ciao.